Je suis Koulibaly Alimata, directrice d'entreprise agroalimentaire GLP Les Précuits. Et nous mettons à la disposition de la population des aliments précuits, des aliments prêts à cuire et prêts à consommer. Et je suis la présidente du réseau national des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire. Et en parlant de mon parcours, il y a de cela une quinzaine d'années, démarré avec très peu de moyens parce qu'il fallait être prudent. Le projet, il est innovant. Les produits locaux transformés ne sont pas encore acceptés en Côte d'Ivoire. Alors, par prudence, nous sommes allés tout doucement avec 5 000 francs CFA et que ma mère m'a donné. Et ces 5 000 francs, je les ai appelés les 5 000 francs affectifs. Non pas que je ne pouvais pas financer, mais le geste de ma mère m'a boosté. Et le lendemain, j'ai trouvé à mon domicile les granulés et les dégâts déshydratés. Parce que, en fait, c'est elle qui faisait cette activité, mais sans rémunération. On a des amis qui voyagent sur l'Europe, à l'étranger. Elle était toujours prête à faire ses sachets de produits déshydratés, bouillie de mil, dengue, le sombara, la farine de kabato, le gnangnang, aubergine. Tout y passait et qu'elle conditionnait. Alors, quand je suis allée en Europe, elle a fait toujours ses paquets. Et je suis allée 2 ans, je suis revenue. J'avais encore ces granulés de bouillie de mil intacts. Et j'ai dit, tiens, c'est pas mauvais. Elle a raison. Et comme Dieu fait si bien les choses, j'ai été orientée en chimie biologie CBG à l'Université d'Abidjan. Je suis donc entrée en vif, en plein dans ce que ma mère faisait, elle qui n'a pas été à l'école. Et c'est en ce moment que j'ai compris ce pourquoi elle, lorsqu'elle conditionnait ses granulés dans des sachets, elle pressait. Or, c'était pour éjecter l'oxygène. Parce qu'on sait que l'oxygène détériore l'aliment. Et qui plus est, elle glissait dans un second emballage. C'était pour encore rendre plus hermétique le conditionnement. Et en plus de ça, elle déposait ses sachets doublés dans une grande bonbonne. Et pendant 1 an, 2 ans, elle avait ses produits secs. Lorsqu'elle voulait les reconstituer, c'était rapide. Et nous-mêmes, on en consommait très souvent. Alors, quand à un certain moment, j'ai travaillé et ma sœur aînée m'a dit, tu sais ce que maman fait? C'est un art. Il faut qu'on puisse perpétuer. Elle, qui est avocate, avait beaucoup voyagé. Donc, elle a vu ce qui se passait ailleurs. Moi, je ne voyageais pas beaucoup. Et elle a insisté. J'ai hésité pendant près de 5 ans et un jour elle est venue à mon domicile. Elle dit, allons voir maman. Il y a longtemps, on ne l'a pas vue. Et on arrive chez maman, elle dit, maman parle à ta fille, je lui parle depuis plus de 5 ans. Elle ne veut pas faire ce que tu fais. Et maman qui dit, mais dis donc, ta soeur te conseille. Elle ne t'a jamais donné de mauvais conseils. Vas-y, fais. Et maman qui a sorti, voilà, les 5 000 francs affectifs qu'elle a donné à sa servante. Et c'est parti. Et depuis 2006, j'allais dire 2004, pendant la période de non-paix,
paix, non guerre du pays. Je me suis lancée et j'ai commencé doucement, doucement. Ça a progressé. Comment j'ai pu progresser? Par les appels à projets. Oui, je réponds aux appels à projets. Mais il y a une fête qui m'a vraiment touchée. J'avais réussi à être référencée, la marque avait réussi à être référencée dans plusieurs supermarchés. Et à un moment, il y a une grande surface qui a racheté près de 15 supérettes et je me suis retrouvée dehors avec mes produits. Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne faut pas abandonner. J'ai dit, tiens, 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 je fais déjà les granulés de dégâts. Alors, pourquoi ne pas les reconstituer? Je fais bien le yaourt. Pourquoi ne pas faire ce mélange et lancer ce projet-là? Parce que je sais que le dégât crée une très bonne plus-value. Et c'est cette vente, cette production de dégât que j'ai pu faire pendant des années en attendant de pouvoir référencer les précus GLP dans d'autres supermarchés. Et voilà, c'est parti. Aujourd'hui, la marque GLP a pu asseoir sa notoriété. L'entrepreneur également a pu asseoir sa notoriété. Et à la faveur d'un projet de la Banque mondiale, l'Union européenne, Affaires mondiales Canada, lancé par le CORAF et avec pour fiduciaire le FIRCA, je dis au passage merci à tous ces partenaires qui m'ont accompagné, ce qui m'a permis d'avancer. Et j'ai réussi à mettre un projet, le Réseau national des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire, qui était un indicateur de résultat de ce projet PADEC, projet d'appui pour le développement. C'était un projet régional des entreprises agroalimentaires d'Afrique. Et dans ce projet régional, il y avait la Côte d'Ivoire, avec comme leader GLP les précuits. Il y avait le Burkina, avec comme leader Cetrapa. Et au Mali, avec comme leader Danaya Céréales. Nous avons implémenté ce projet régional et je pense que c'est ce qui a valu tout ce vivier de transformateurs que nous constatons aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec des emballages adaptés, des produits qui ont pris de la qualité, les acteurs qui sont fiers de leur métier. Et ce projet a permis à tous ces acteurs de créer l'estime, parce que l'estime de soi booste l'entrepreneur. Alors, moi, j'ai dit que c'est le PADEC qui a lancé l'agro-transformation en Côte d'Ivoire. La preuve, au vu de cela, l'État n'a pas hésité à nous donner le premier prix d'excellence du Sahara en 2015. Et l'environnement, voyant cela, tous ceux qui hésitaient, parce que croyant que c'était un métier de celui qui n'a pas réussi à l'école, se sont galvanisés, ils se sont mis à la transformation. Et aujourd'hui, on voit sur les rayons des supermarchés nos produits locaux transformés, bien conditionnés, de qualité. Et les Ivoiriens commencent à consommer. Je vais dire que ce n'est pas encore assez. Et je vais profiter de votre micro pour encourager, inciter les Ivoiriens à consommer local parce que ce sont des produits naturels et sans conservateurs. C'est du fait maison. Donc, il faut consommer. Ils sont très nutritifs et convenables à la consommation des bébés, des personnes âgées, des femmes enceintes et allaitantes. Exhortez encore une fois à consommer du local. Et ma présence ici au Sahara 2023 est une joie pour nous. Une joie parce que ça fait 8 ans. Après 20 ans, il y a eu le Sahara en 2015. 2017, 2019. Et avec la COVID-19, il y a eu une rupture. Alors, c'est une grande joie de me retrouver encore aujourd'hui ici, au Sahara 2023. Et on constate que les produits se sont encore améliorés. Le nombre d'acteurs a augmenté. Et dès le premier jour déjà, on a constaté de l'affluence. Moi, qu'est-ce que je vais dire?
Les produits sont visibles, les produits sont de qualité, ils restent à vulgariser. Et j'insiste, la vulgarisation de ces produits locaux, parce que ce métier crée de l'emploi à fort impact. Hein? Ça crée beaucoup d'emplois. Alors que les décideurs, l'État, les ministres, hein, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Industrie, du Commerce, la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, que tout cela puisse se mettre ensemble pour sortir un projet global. Comment vulgariser les produits locaux transformés en Côte d'Ivoire? Parce que on dit qu'il faut consommer local, il faut consommer local. Mais s'il n'y a pas un accompagnement, une politique de vulgarisation, ce sera des paroles vaines. Alors nous souhaitons que notre dernier mot, une grande vulgarisation des produits locaux transformés parce qu'ils sont de qualité, parce que le vivier existe, les femmes, les intellectuels y adhèrent actuellement, les bailleurs y adhèrent. Tout ce qui reste, c'est la vulgarisation. Alors, encore un cri de cœur par rapport à nos autorités, la vulgarisation des produits locaux transformés. Et j'insiste là-dessus, nous avons des idées, faites-nous signe, nous viendrons partager nos bonnes idées avec vous, comme nous avons pu inciter la population avec votre accompagnement, hein, à transformer. Et c'est sûr que d'ici 2020, la Côte d'Ivoire va transformer plus de 50% de la matière première agricole. Je vous remercie d'être passé à notre stand Sahara 2023.